La Fondation Bénédicte Jeannine Kakou-Diagou a proclamé les résultats des BJ Arts édition 2024. Après le dépôt des candidatures, 10 finalistes ont été retenus et 3 lauréats ont été sacrés prix BJ Arts. À la tête de ce trio, Mariette Koussua, dont les photographies portaient sur la santé mentale. Encore sous le choc, mais très heureuse. Et puis voilà, je remercie la Fondation BJKD et les membres du jury d'avoir initié ce concours-là et de m'avoir choisi et de permettre à tous les jeunes qui ont participé de croire en ce qu'ils font. Voilà, le sujet que j'abordais, c'est le lien entre les relations interhumaines et la santé mentale. Et le message général, c'est juste d'être bienveillant pour avoir un monde meilleur. Le trio gagnant a respectivement reçu la somme de 1 500 000 francs CFA pour la première, 1 million de francs pour le deuxième et 500 000 francs CFA pour la troisième. Les 7 finalistes ont reçu chacun la somme de 100 000 francs CFA pour les encourager dans le travail. Je suis heureux que vous appréciez ces œuvres et parce que nous estimons que si on a une activité dynamique, on a des jeunes qui ont du talent et l'Ivoirien... C'est un Ivoirien qui gagne et qui fait que, étant donné que la création est universelle, nous pensons que faire des œuvres qui parlent au monde entier, qui parlent d'abord à la Côte d'Ivoire et au monde entier, c'est aussi les mettre en lumière, faire en sorte que ces jeunes-là aient des tribunes d'expression. Sur un total de 40 points, les lauréats ont obtenu 28,12 pour la première, 27,47 pour le deuxième et 27,33 pour la troisième. La Fondation BJKD est une organisation à but non lucratif basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle œuvre principalement pour la promotion de l'art, de la culture, de l'éducation et de l'entrepreneuriat des jeunes Africains.